C'est le but, moi vraiment. Aussi. Hein. Et ils vont bien se rendre compte aussi avec les exercices, je pense, n'est-ce pas Juliette? Oui, alors Valérie Pécresse a déclaré qu'être français, c'était avoir un sapin de Noël, manger du foie gras et lire Miss France. Et elle a ajouté une quatrième chose, mais laquelle? Réponse A. Être français, c'est être arrogant. Oh, j'ai l'impression que c'est une belle qui a écrit cet exercice. Non, pas du tout. Réponse B. Être français, c'est manger des chips en slip sur son canapé en regardant un épisode de Plus belle la vie. Réponse C. Être français, c'est manger des chips en slip sur son canapé en regardant le Tour de France. Réponse D. Être français, c'est dire que le modèle allemand est le meilleur modèle, donc c'est être allemand un peu. D'ailleurs, à une époque, être français, c'était encore être allemand. Ça devient très compliqué. Voilà toujours, car la candidate s'est plainte auprès du CSA d'une inégalité de temps de parole avec Emmanuel Macron, qui sera interviewé ce soir sur TF1 et LCI. Suite à cette saisie, que va faire le CSA? Petit A. Sanctionner Frédéric Fromet, comme d'habitude. Petit B, faire les gros yeux à Macron, comme Bruno Le Maire devant les GAFA, avant de se rappeler que le président du CSA est nommé par l'Élysée. Petit C, le CSA va sanctionner TF1 en mettant des nouilles dans le slip de Gilles Boulot. Petit D, quand tu laisses Darius Rochebain, le PPDA suisse, faire l'interview, le temps de parole, c'est pas le problème. Il est surnommé le PPDA suisse, c'est pas pour son goût pour la littérature et le plagiat. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon. J'ai rien dit. Alors, exercice. Le conseil scientifique a donné ses recommandations pour les fêtes de fin d'année. Parmi les recommandations suivantes, lesquelles sont vraies? Réponse A. Le conseil scientifique recommande de passer les fêtes seul. Un petit peu comme Arnaud Montebourg, on va dire. Voilà. Réponse B. Plutôt que de voir ses amis pour le nouvel an, le conseil scientifique recommande de passer des coups de fil à ses amis pour leur souhaiter une bonne année. Un petit peu comme Arnaud Montebourg. Réponse C. Le conseil scientifique recommande de picoler et de raconter n'importe quoi. Un petit peu comme Arnaud Montebourg. Réponse D. Le conseil scientifique recommande d'être responsable et d'agir en pensant aux autres. Un petit peu comme... Non. Voilà. Je suis Arnaud Montebourg et j'approuve ce message. Il y a des imitations.